Je suis le comte D. Soyez les bienvenus dans ma boutique. Vous êtes au cœur de Chinatown, un lieu mystérieux. Ici, vous pourrez trouver les plus rares et les plus précieuses des marchandises. Alors, pourquoi hésiter? Qui sait? Peut-être que ce soir, ici, vous trouverez votre bonheur. Soyez le bienvenu. J'imagine que vous êtes Jason Gray. Exact. On m'a dit que vous aviez enfin reçu l'animal que ma femme vous avait commandé. C'est vrai. Nous avons effectivement pris livraison de la commande de Madame Evangeline Blue. Cependant, ayant appris sa tragique disparition, nous sommes très ennuyés. Nous ne savons pas trop ce que nous sommes censés faire de cet animal. Où est-il? J'aimerais au moins voir ce que ma femme avait acheté. Veuillez me suivre. Qu'est-ce que c'est au juste? Un chien? Un chat? Un poisson. Un poisson? Quel genre? Un poisson tropical? Une carpe colorée? Non, une espèce rare. Extrêmement rare. Il nous était impossible de l'exhiber dans notre magasin. Oh, c'est magnifique. Vraiment. Ce poisson doit être énorme. Je vous en prie, si vous désirez le contempler, allez-y. On n'y voit rien? Cette eau est si sombre. Noire et sinistre comme cette nuit-là. Eva? Mais c'est impossible! Eva, c'est toi? Tu es vivante? Monsieur, vous devriez éviter de trop vous pencher. Regardez-la attentivement. C'est une sirène. Une sirène? Non, non, c'est Eva! Eva, c'est moi, Jason! Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à tes jambes? C'est un déguisement, hein, c'est ça? Évangeline! Calmez-vous, je vous prie. Pour vous dire la vérité, la mer l'a rejetée sur la plage. C'est là que, par hasard, je l'ai découverte la nuit de la pleine lune. La nuit de la pleine lune? C'était notre nuit de noces. Regardez à son doigt, c'est l'alliance que je lui avais offerte. Oh, dans ce cas, peut-être est-elle la réincarnation de votre épouse? Sa réincarnation, vous dites? Ou bien peut-être est-ce le contraire? Selon certaines légendes asiatiques, il arrivait parfois que par jeu, les sirènes qui vivaient dans les palais au fond des océans viennent à la surface se mêler aux humains. Bien sûr, ce ne sont que des légendes, mon ami. Mais qui sait, peut-être contiennent-elles une once de vérité. Et dans ce cas, rien ne nous dit que votre Évangeline n'ait pas été une sirène, une créature des flots déguisée en femme. Eva était une sirène? Malheureusement, en tout état de cause, elle a perdu la mémoire. Quand elle est revenue à elle, elle ne savait plus qui elle était, ni même son nom, ou comment elle était arrivée là. Peut-être que si la mémoire lui revenait, alors elle pourrait se souvenir de vous et du serment qui vous unit. Peut-être aussi pourrait-elle se souvenir de son malheureux accident. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'elle vous intéresse? Bien sûr, oui. Je la ramène chez moi. Dans ce cas, nous devons vous faire signer un contrat de vente. Oh! Et je ne saurais trop vous conseiller, monsieur, et cela dans votre intérêt, de bien vouloir en respecter scrupuleusement les clauses. Primo, vous ne devrez jamais laisser quelqu'un la voir. Secondo, vous devrez la garder dans un grand bassin.
et ont changé fréquemment l'eau de mer. Tertio ne la laissait jamais souffrir de la faim. C'est compris? Si jamais une de ces clauses était rompue, nous ne saurions être tenus responsables des conséquences que cela entraînerait. Sommes-nous bien d'accord? Oh oui, oui, tout ce que vous voulez. Alors je vous souhaite d'être heureux. Heureux ensemble et à jamais. Alors Eva, tu te plais ici? J'ai fait remplir ce bassin d'eau de mer. Eva? Est-ce que c'est vraiment toi, Eva? Alors Jason Gray est sorti hier soir. Oui, une de nos voitures de patrouille l'a aperçu. D'accord, et tu peux me dire où est-ce qu'il est allé? À Chinatown. Ne me dis pas que c'était dans cette boutique d'animaux. Bon, ça suffit avec cette histoire. La mort d'Evangeline Blue était un accident, c'est officiel, affaire classée. Jason Gray n'est qu'un pauvre bougre qui a perdu sa jeune épouse. Ouais, ouais, je sais, chef, je sais. Jason Gray était le manager d'Evangeline. C'était sa vedette numéro 1, la plus grosse source de revenus de sa maison de disques. Enfin, il n'avait aucune raison de tuer sa poule aux œufs d'or, non? Allez, maintenant, on se remet au boulot. À vos ordres, chef. Bon sang. Eh, je me suis laissé dire que le comte avait un faible pour les pâtisseries. Allez, laisse-moi tes dossiers, Playboy, je vais m'en occuper. Merci, Gilles. Ce soir, je t'invite au resto. Ça faisait longtemps, inspecteur. J'ai une question à vous poser, mais je ne suis pas venu les mains vides. Oh, attendez, laissez-moi deviner. Une tarte aux fruits de chez Madame Lee. Bien. Hier soir, Jason Gray était chez vous. Inutile de le nier, je le sais. Mais qui songerait à le nier? Effectivement, il était ici. Je lui ai d'ailleurs vendu un de mes spécimens avec l'espoir que cela l'aiderait à surmonter la disparition de son épouse. Ouais, comme d'habitude, vous lui avez vendu quelque chose de pas très catholique. Allons, inspecteur, vous connaissez notre devise. Nous vendons de l'amour, de l'espoir et des rêves. Ouais, bien sûr. Et c'était quoi cette fois-ci? Oh, une sirène. Une sirène, mais c'est bien sûr, suis-je bête. Allez, et qu'est-ce que c'était? Un poisson tropical? Un piranha? Vous l'avez arnaqué de combien? Encore une fois, vous doutez de moi. La garder dans un grand bassin, en changer fréquemment l'eau de mer, ne jamais la laisser souffrir de la faim. Alors, un problème? Non, aucun problème. Mais si je ne me trompe, vous êtes de la criminelle? Pourquoi vous intéressez-vous à lui? Vous savez qu'il venait d'épouser Evangeline Blue? Oui, la chanteuse qui est tombée d'un bateau le jour de ses noces. C'est ça. Son corps n'a pas été retrouvé, et son accident a fait les gros titres dans la presse. Mais pour moi, ce n'est pas un accident, c'est un meurtre. Un meurtre? Mais selon les déclarations de Monsieur Gray, Evangeline est montée sur le pont pour prendre un peu l'air, elle a glissé et elle est tombée. Tragique certes, mais accidentelle. Eh bien moi je pense que Jason Gray nous ment. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon instinct de détective de première classe. L'instinct de la bête sauvage. Pourtant Monsieur Gray ne m'a pas semblé homme à tuer ses semblables. Ah non? Non, de plus il était profondément meurtri par la mort de son épouse. Alors pour vous ça serait un accident? Ce n'est pas du tout l'impression que ça me donne. Ou alors peut-être qu'il cherche à protéger quelqu'un. Peut-être qu'il connaît le coupable. Il y avait lui et... Louise Tessen? Oui. Louise était l'habilleuse d'Evangeline Blue et sa maquilleuse. Mais surtout, c'était l'ancienne petite amie de Jason qui avait préféré épouser la vedette. Oui, exact. Si on en croit les rumeurs, Eva aurait séduit Jason et l'aurait piqué à Louise. Alors Louise se serait vengée de sa rivale le jour de ses noces. Et Jason n'aurait rien dit parce qu'il se sentait coupable de l'avoir abandonnée. Pas sûr, mais possible. Vous savez où trouver Louise? Elle est retournée dans sa ville natale après l'accident. Bon, vous allez vous en occuper. Eva.
Eva, est-ce vraiment toi? Es-tu vraiment Eva? As-tu vraiment pu m'oublier à tout jamais? Eva. Eva. Oh, je le savais. Tu l'as reconnue. Tu as reconnu la voix d'Evangeline Blue. Oh, Eva, je ne te laisserai jamais partir. Peut-être as-tu perdu la mémoire. Pour moi, ça n'a aucune importance. Tout peut recommencer. Je n'aime que toi. Eva! Eva. Eva, chante-moi. Eva, je savais qu'un jour, tu m'accorderais ton pardon. Ah, eh bien, ton instinct n'est pas au point. Dommage. Moi qui comptais justement faire appel à votre flair de limier. Comte, mais qu'est-ce que vous faites ici? Tout d'abord, je venais vous remercier pour la tarte. Je vous ai préparé le thé. Vous avez préparé le thé, oui, d'accord, c'est gentil à vous. Mais je suis désolé, les civils n'ont pas le droit d'entrer ici. Ne craignez rien. Votre chef de la police est un de nos très vieux et très bons clients. Ensuite, j'aurais aimé savoir comment ça s'était passé avec la billeuse des vins. Je me suis rendu chez elle ce matin. Je n'ai pas revu Jason depuis ce tragique accident et je n'y tiens pas trop. Même si j'épousais quelqu'un dans le futur, ce ne serait pas Jason. Non, ce ne serait pas lui. Quoi qu'il arrive, jamais je ne l'épouserai. Elle pleurait et ses larmes étaient bien réelles. Ah oui, en êtes-vous sûr? Savez-vous, chez une femme, faire la différence entre de vraies et de fausses larmes? Même une sirène pourrait verser des larmes pour parvenir à séduire l'être désiré. Les légendes anciennes prétendent que ces larmes-là deviennent des perles. Je me demande si dans ce cas, de fausses larmes ne deviendraient pas de vulgaires perles de culture. Vous êtes en train de me dire que Louise s'est jouée de moi? Non, jamais je n'ai dit ça. Oh, votre thé va être froid, ce serait dommage. Enfin, pour en revenir à nos sirènes, mon cher inspecteur Alcott, les Asiatiques disent qu'on peut accéder à l'immortalité en mangeant les entrailles fraîches de ces créatures. Vous mangez ce genre de truc, vous autres Chinois? Ça, je ne saurais vous le dire. Mais à ce qu'on raconte, c'est un mets d'une telle délicatesse qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Un peu comme la chair humaine, j'imagine. Alcott, on a retrouvé les restes d'un corps sur la plage. Tiens, regarde, on dirait l'œuvre d'un requin. On n'a qu'une cuisse gauche à moitié décomposée, mais c'est sûrement Evangeline. Alcott? Une autopsie a établi que les restes de corps humain retrouvés l'autre jour étaient bien ceux d'Evangeline Blue. Une foule de fans portant le deuil de leur idole s'est rassemblée devant notre station. Diffuseront un programme spécial en hommage à la chanteuse. Pour commencer, un extrait de son album de 91. Jason, tu pourrais... Qu'est-ce qui t'arrive, Jason? On croirait que tu as vu un revenant. Qu'est-ce que tu me veux, Louise?
Dépêche-toi, Eva m'attend. Eva est morte. Non, écoute-la, tu l'entends chanter comme moi, non? Elle chante pour moi, tu sais. C'est vrai qu'elle a voulu nous faire peur, c'était un de ses jeux. Mais ça m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que c'était elle, la femme de ma vie. Grâce à elle, j'ai enfin découvert le sens du mot aimer. J'aime Evangeline, c'est avec elle que je veux vivre ma vie. Oui, j'aime Evangeline. Adieu, Louise. Désolé de t'avoir fait attendre. Je t'aime pour toujours et à jamais. Alors, vous voulez nous raconter les circonstances de la mort d'Eva ? Oui, je vais tout vous dire, tout. Cette nuit-là, Jason et moi avons quitté la soirée et nous sommes montés sur le pont. Louise, pardonne-moi. Je le fais pour sauver la société. Oui, oui, je comprends. Depuis son enfance, Eva est habituée à avoir tout ce qu'elle désire. Vouloir faire de moi son époux, ce n'est qu'un autre de ses caprices. Elle a jeté son dévolu sur toi parce qu'elle savait que tu étais le seul qui ne tomberait pas amoureux d'elle. Le seul homme qui lui résisterait. Oh, Louise. La seule que j'aime vraiment, c'est toi. Quoi qu'il arrive, mon cœur te sera toujours fidèle. Oh. Hein ? Eva ? Non, non, Eva, écoute, c'est... Non, attends, Eva! Aujourd'hui encore, j'entends son cri, je l'entends qui résonne dans ma tête. Jason et moi avons fait le serment de ne jamais révéler la vérité sur cette nuit-là à personne et de ne jamais plus nous revoir par la suite. Mais Eva... Eva est revenue, son fantôme est là pour se venger de Jason. De son vivant, elle m'a enlevé l'homme que j'aimais. Maintenant qu'elle est morte, c'est sa vie qu'elle veut prendre. Je suis prête à subir n'importe quel châtiment, mais je vous en supplie, sauvez Jason. Un suicide. En tout cas, mon instinct ne m'a qu'à moitié trompé. Même si Eva s'est tuée à cause de vous deux, ça ne fait pas de vous des criminels aux yeux de la loi. Et puis je ne vois pas comment la police pourrait arrêter un fantôme. On aurait du mal à trouver des preuves physiques. Non, pour aider Jason, je ne vois qu'une chose. Lui trouver un bon psychiatre. Oh non, s'il vous plaît, il faut faire quelque chose. Jason garde un énorme poisson dans sa piscine, quelque chose de la taille d'un dauphin, c'est peut-être même un requin. En tout cas, il court un danger. Un requin ? Jason est persuadé qu'il s'agit d'Eva. Comte, qu'est-ce que vous avez vendu à Jason Gray ? Mais je vous l'ai dit, mon ami, une sirène. Une créature fière, très possessive, prête à tout pour obtenir l'amour de celui qu'elle désire, même à ravaler sa fierté et à lui montrer ses larmes. Telles sont les sirènes, inspecteur. Et c'est bien ainsi qu'Eva s'est conduite avec Jason cette nuit-là. Eva ? Oh, à propos, ce jeune prince à l'esprit étroit qui confond l'amour vrai et celui né d'un sentiment de culpabilité, et savez-vous s'il pense à bien respecter toutes les clauses de notre contrat de vente ? Contrat de vente ? J'espère pour lui qu'il ne l'affame pas. Cela la rendrait furieuse et extrêmement dangereuse. Oh ! Mais peut-être est-ce cela qu'il recherche après tout.
Eva. Où est la piscine? Dans le solarium, au fond de la maison. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Allumez les lumières! D'être retrouvé, ainsi que celui de son époux Jason Gray, dans l'estomac d'un curieux poisson de grande taille. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Cela a le goût de ce mets délicat qu'est l'amour. Les sirènes sont des créatures très très possessives.